Voilà, arrivé à Vérone, et c'est la première idée de Vérone lorsqu'on sort de l'hôtel, on tourne à gauche et on tombe sur Paul, la troupe, Paul et les arènes. Voilà. Excusez-moi, le mio français est terrible. Bonjour. Bonjour. È una comunità internazionale della riabilitazione delle garçons del lago di Garda. Quel bel aéropage. Il y en a eu quelques-unes. Là, ils avaient prévu. Très smart et très sérieux, Hervé. Tu crois? On s'est pas Hervé qui nous fait coucou. Voilà, Jean-Claude qui nous fait coucou. Tout le monde sont là. Bon, Greg, naturellement, très star. Et puis alors, on a la table qui est dressée, qui est merveilleuse, qui est magnifique. Ça, c'est le grand luxe. Et puis, on a le petit peuple qui est en bas, qui espère qu'on lui jette quelques cacahuètes. Mais non, mais va chercher un... Christophe, tu vas nous offrir l'apéritif sur cette terrasse avec cette table dressée d'une façon merveilleuse. Vous venez du matin, vous découvrez à quelle heure? 10h30. Vous partez à 10h30. Ah oui, quand même. Non, demain, demain, 14h30 notre ami. Non, je dis lundi matin. Lundi matin, 10h30 à Roissy, le décollage. D'accord. Bon appétit. Merci. Ça me rappelait votre truc du Japon, histoire du Japon là. Un tiers bouchon, non, c'est pas possible. On a pris déjà, Paul. Allez, dépêche-toi. Il y en a un qui appelle l'autre, qui demande l'autre canon. Alors ça, c'est moche. Le chef de rang en bas, il dit ah non, je vais pas vous prester le mien. Ils ont fait tous les tiroirs pour en trouver un. Et elle appelle Ricardo. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors Ricardo. C'est bon. Paul, c'est ce qui est. Ok, je vais le faire. Il y a fait la Thank you.
Il y en a un petit peu devant là. Ah oui, c'est quelque chose. Attends, 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 regarde. Hervé reprend une photo. Hervé reprend une photo. Ça, c'est magnifique. Les arènes de Vérone, il faut connaître ça dans sa vie, hein, monsieur Sandro. C'est exceptionnel, c'est tellement mythique. Thank you.
c'est parti. Jacques dans la cour de la maison de Juliette Capulet avec le balcon. Voilà. La maison est très belle. Les Juliettes, pas vraiment toujours à la hauteur. Mais le monde est ainsi fait. Dernière vue du balcon de la maison des Capulet, hein, qui est quand même très belle. J'espère. Et du balcon, parce que là, c'est moyen. Oui, il y a le rôle.